Mais c'est trop bien, meuf. On a eu nos 18 ans, on a reçu notre diplôme de baccalauréat, on a tout réussi. Je suis d'accord avec toi. En plus, j'ai encore la gueule de bois après notre fête pour nos 18 ans. Heureusement qu'on a fait notre anniversaire ensemble. Je sais pas si j'aurais pu faire deux anniversaires, un pour chacune, parce que vu comment on a fait la fête, laisse tomber. On n'est pas meilleurs amis pour rien. C'est bon, franchement, notre anniversaire à quelques jours d'intervalle, on a bien fait de prendre moite-moite et de faire un seul anniversaire pour toutes les deux. C'est trop bien. Et puis là, franchement, on a des vacances. Ça va être beau, mais t'es sûre que c'est ici? Oui, je pense que c'est ici. En plus, on la voit, la villa, c'est la même que sur les photos. Le mec, il nous a dit de venir ici sur la plage, d'attendre un petit peu, et quelqu'un allait venir nous chercher pour nous transporter jusque la villa. On va pouvoir une semaine complète chiller toutes les deux. Et puis, en vrai, ça va être un bon test. Ah non, me parle pas de test. Oh, c'est bon, les tests, j'en ai ras la casquette. Pourquoi tu me parles de test? Ben, tu sais, comme on a décidé de partir faire les mêmes études et donc de prendre le même appartement ensemble, et ben au moins, là, ça va être la première fois qu'on va habiter ensemble pendant une semaine. Donc ça va faire un petit test pour voir si on est compatible pour vivre ensemble. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on est compatible. On est meilleurs amis, puis au moins 8 ans. 8 ans, ouais, c'est ça, ouais. Donc, honnêtement, on peut être que compatibles, sinon on n'aurait jamais survécu jusqu'ici. T'as raison, mais ça va quand même nous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, bon, de toute façon, on est là pour chiller, prendre le soleil, profiter de la piscine. Et puis voilà, parce que j'ai besoin vraiment de me détendre. Ah bah voilà, je pense que c'est cette personne qui doit nous emmener jusque la villa. Dans ce cas, allons-y. Et voilà, nous sommes arrivés. Vous pouvez m'appeler sur le même numéro si vous avez besoin que je vienne vous chercher pour vous déposer sur Brookhaven. Vous me dites, je pourrais vous emmener. Si vous avez besoin de courses également, ce genre de choses, n'hésitez pas. Vos valises sont déjà sur place. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Waouh, cette villa, elle est vraiment très très belle. Vu le prix qu'on a payé, j'espère bien. Hein. Les prestations aussi, franchement, on vient, le frigo il est plein, tout est prêt. On n'a plus qu'à profiter pendant une semaine. Par contre, je pense qu'il va falloir quand même rappeler le monsieur. Ah bon? Mais pourquoi? Ben, en fait, j'ai l'impression que les gens qui étaient là avant, ils n'ont pas encore récupéré leurs valises. Mais non, c'est mes valises à moi. Quoi? Tout ça là, c'est tes valises à toi, mais t'es au courant qu'on est là pour une semaine. C'est pas ici qu'on emménage à la rentrée. Non mais oui, je suis bien au courant qu'on n'emménage pas ici. C'est bon, bah heureusement, parce que sinon je sais pas si la villa aurait été assez grande pour toutes mes affaires. Mais non, non, c'est bien mes valises. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok, mais compte pas sur moi pour mettre toutes ces valises dans ta chambre. Hein. Oh, je te le dis. En parlant de ça, je pense pas que ça te dérange que je prenne un peu plus que le dressing. Genre... un peu ton dressing. Au moins, t'as de la chance sur une chose, c'est que moi, j'ai quasiment pas d'affaires. En plus, il fait beau, j'ai juste pris 2-3 maillots, 2-3 t-shirts, 2-3 shorts, et puis voilà, basta. Et mon dentifrice, bien sûr, et ma brosse à dents. Bon, allez. Je vais peut-être préparer un truc à manger, t'as faim? Carrément que j'ai faim. Mais je sais pas cuisiner, je peux pas vraiment t'aider. Et puis de toute façon, il faut que j'emmène mes affaires dans la chambre. Ok, sympa. Bon, je me démerderai. De toute façon, il doit y avoir ce qu'il faut. Ah, j'ai super bien dormi. Ces lits sont super confortables. Stella, elle rigolait vraiment pas quand elle disait qu'elle avait besoin de s'étaler un petit peu de mon côté avec ses affaires. Mais le problème, c'est que ces valises, franchement, ça me gâche toute ma vue, quoi. Quand je suis dans le lit et que je vois la vue là sur la piscine, bah du coup que je ne vois pas à cause de ces valises. Super. Oh, bon, c'est pas grave, je les déplacerai un petit peu, puis je
Je pense qu'il y a moyen que je puisse un petit peu gratter de la vue. Ah, j'ai vraiment envie de faire pipi. Ah, pipi. Ah, c'est quoi ça? Mais ça sent le pipi de ouf. Mais elle a pas tiré la chasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah là là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais tirer la chasse déjà. On va commencer par là. Voilà. On va ouvrir les fenêtres. Hop, on va ventiler un petit peu tout ça. Tant pis, hein, je vais quand même faire pipi. Hein. Oh, une usine à gaz ici. Mais c'est quoi tout ce bordel? Il y a des restes de pizza, une assiette et des couverts qui n'ont pas été débarrassés depuis la veille. Je crois que c'est un début de petit déjeuner entamé. Et en plus, j'avais demandé à Stella de ranger ce que j'avais fait à manger hier. Au moins qu'elle puisse participer si elle ne sait pas cuisiner. Mais je vois que le plateau, il est toujours là. Et les poubelles, là, juste à côté de la cuisine. Ça par contre, j'ai même pas d'explication. Aïe, aïe, aïe. Ça commence mal. Moi qui aime bien quand tout est organisé et rangé. Je vais aller voir Stella. Kenza, c'est toi? Tu t'es enfin réveillée? Je vois que tu fais ton petit sport matinal. Et je vois aussi que au niveau de tes affaires, ça va, tu t'es bien étalée. Mais t'as laissé toutes tes valises dans ma chambre, en fait. Ah ouais, le dressing. Tu mentais vraiment pas quand tu disais que toutes tes affaires n'allaient pas rentrer. Et puis le reste est dans ma chambre, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je te remercie parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait dans une aussi petite chambre mettre toutes mes affaires. T'appelles vraiment ça une petite chambre? Elle est au moins 3 fois plus grande que la mienne. T'as carrément une salle de bain, un dressing. J'ai laissé la meilleure chambre et tu trouves qu'elle est petite? Mais elle fait combien ta chambre chez toi? Arrête, t'es déjà venue chez moi en plus plein de fois. Tu sais très bien que ma chambre, elle fait au moins 2 fois cette taille. Ouais, c'est vrai. Je perds souvent l'habitude de comprendre qu'en fait... La moitié de la maison t'appartient chez toi. Oh là là. Ouah. Ah, ça me stresse quand je vois tout ça. Mais t'imagines même pas. Mais je voulais te dire, c'est quoi ce bordel dans la cuisine? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, des assiettes sales, des restes de nourriture, des poubelles à côté de la cuisine. C'est quoi ça? Pourquoi t'as pas acheté les poubelles et le reste? Et je t'avais demandé de ranger le plateau. Ah ça oui, j'ai voulu ranger mais je savais pas où comment il fallait mettre dans le lave-vaisselle. Je me suis dit que j'attendrais que tu te lèves pour te demander. Tu ne sais vraiment pas mettre des assiettes sales dans un lave-vaisselle? Et les poubelles? C'est beaucoup trop lourd pour moi, du coup j'ai appelé le monsieur qui nous a amené ici et puis il m'a dit qu'il allait passer dans pas longtemps pour débarrasser les poubelles. Quoi? Ça veut dire qu'il va bientôt passer, il va avoir tout ce bordel? Oh non! Ma réputation est en jeu! Mais qu'est-ce qu'elle a? On est en vacances, chill! Je finis ma petite séance de cardio, hein, et puis j'arrive! J'ai l'impression d'avoir pris un petit peu de couleur, mais franchement, ça va. Et puis, là, on va encore bronzer aujourd'hui. C'est pas comme si on avait autre chose à faire que ça. Et profiter de la piscine. C'est parti. Mais c'est quoi ça encore? Pourquoi il y a de l'eau partout? J'ai l'impression que ça vient de la salle de bain. Quoi? Mais c'est... Oh, en plus je marche dedans, c'est quoi? C'est juste de l'eau? Ça vient de la douche? Bah oui, j'ai l'impression que ça vient bien de la douche. Mais ça va jusqu'où? Je vais suivre ces petites flaques, mais je sais pas, j'ai comme une impression que c'est encore Stella qui a fait quelque chose. Il y en a encore ici, bon ici à côté de la piscine, en soi ça te dérange pas. Et à l'intérieur sur le parquet, j'ai peur que ça l'abîme. Ça continue par là. Ah bah tiens, comme c'est étonnant Stella. C'est toi qui as mis de l'eau partout? De quoi tu parles? Bah, il y a des flaques d'eau qui partent d'ici jusque la salle de bain. Ah oui, j'ai pris une petite douche, tu sais, pour
avant de bronzer pour être on fleek. En sortant de la douche, tu t'es pas essuyée avec une serviette ? Bah non, comme tu peux le constater, je prends quand même mieux le soleil quand je suis trempée. Ok, et t'aurais pas pu aller dans la piscine plutôt que de prendre une douche là et de foutre de l'eau partout ? Le chlore de la piscine, c'est pas bon pour mes cheveux. Admettons, mais au moins essuie derrière toi, parce que là, avec le parquet qu'il y a dans le salon, ça risque de l'abîmer. C'est pas grave, tu sais, c'est de l'eau, ça s'évapore. Oui, enfin là, vu la quantité, ça va mettre du temps à s'évaporer. Je vais aller chercher une serpillière et tu vas me passer la serpillière vite fait avant que ça n'abîme le sol. Oh là là, mais quel rabat-joie! Maintenant, tu sais te servir d'une serpillière. C'est vrai, je pensais que c'était plus compliqué. Chez moi, c'est uniquement la femme de ménage qui utilise cet outil. Mais on a l'impression que ça vient d'une autre époque. Enfin, on n'a pas inventé des robots qui font ça automatiquement. Tu vis vraiment pas dans le même monde que moi. Et d'ailleurs, tu devrais faire attention quand même à ton bronzage. T'as quand même pris beaucoup de soleil. C'est le but, hein. Je viens pas ici pour faire du ski, moi je suis ici pour bronzer. Je crois pas que ce soit bon pour ta peau d'utiliser autant d'huile de bronzage, etc. Tu devrais utiliser une protection solaire. T'inquiète, le bronzage, ça, au moins, je maîtrise. C'était vachement cool ce voyage, tu trouves pas ? Ouais, on peut dire ça. T'es sûre que tu veux pas que je t'emmène à l'hôpital là ? Parce que j'ai l'impression que ta peau elle est un peu cramée là. Non, t'inquiète, c'est normal, c'est une étape du bronzage et puis après ça va devenir une jolie couleur, tu vas voir. Je te vois comme ça, j'ai mal en fait. Je te jure, j'ai mal. J'ai reçu un petit coup de soleil sur le pif et puis c'est tout. Je t'ai dit que je maîtrisais mon bronzage. Cette semaine, c'était vraiment trop bien. J'ai hâte de retourner à l'université maintenant. Je suis impatiente, surtout de rencontrer les garçons qui vont aller dans la même école que nous. En parlant de ça, il faut que je te dise quelque chose de très important, mais j'espère juste que tu vas pas mal le prendre. Si tu me parles encore de mon bronzage, si, je vais très mal le prendre. Je t'ai dit que je maîtrise. Non, rien à voir avec ton bronzage cette fois-ci. En fait, c'est par rapport à la colocation qu'on devrait normalement prendre à la rentrée. Je préférais plutôt habiter seule parce que t'as très bien vu que j'ai été très tendue pendant cette semaine avec toi. Et j'ai juste l'impression qu'en cohabitation, on n'est pas très très compatible et que ça va déchirer notre amitié si on fait ça. Ah ouais ? T'es sûre ? T'es vraiment sûre de toi ? Tu sais que tu es ma meilleure amie et franchement, ça ne changera absolument pas. C'est juste que je sais que si à la rentrée, on habite ensemble, je suis même pas sûre de pouvoir tenir une année complète avec toi. Mais en plus de ça, ça va briser notre amitié alors que, en fait, jusque maintenant, ça allait très bien sans ça. Oh là là, tu m'enlèves une épine du pied parce que honnêtement, je sais pas te dire, mais prendre un appartement avec toi, ça aurait été compliqué étant donné que j'ai trop d'affaires. Tu me prendrais trop de place, donc... Et puis en plus, je comptais amener Joseline, ma femme de ménage, donc... Je sais que toi, c'est pas trop ton délire. Et franchement, le ménage, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai déjà des employés qui sont d'accord pour me suivre. Attends, t'es sérieuse ? Attends, toi aussi, vivre avec moi, tu trouvais pas ça compatible ? Pourtant, je faisais tout. La manger, le ménage, je t'ai appris des trucs. Non, mais c'est cool hein, d'apprendre des trucs avec toi et tout. Comment se faire de la vaisselle, comment jeter une bouteille vide du frigo. C'est vraiment cool, hein, c'est des trucs que je fais pas chez moi. Mais bon, je préférerais que tu m'apprennes à faire, je sais pas moi, des cocktails, des trucs comme ça, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Ah, je suis contente aussi. Au moins, on s'entend sur une chose, c'est pas pour rien qu'on est meilleures amies. Eh bien, c'est parfait. On va aller dans la même université, mais on va pas être colocataires. Et ça fait du bien. J'avais peur que ça, rien que l'annonce, ça brise un peu notre amitié, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'est plus consolidé quelque chose à être honnête l'une envers l'autre. Tout à fait. D'ailleurs, mon chauffeur devrait pas tarder à arriver là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, encore ?